Waouh, alors là, tu nous donnes une pépite. Pourquoi les autres formateurs ne pensent pas ça? Ça a été ma toute première formation à distance, donc ça a été la pire que j'ai jamais D'accord. vécue. C'est des grands, grands, grands moments de solitude. Petite solution que j'ai trouvée, c'est de trouver mon leader négatif. Que, bah oui, on a quand même des complexes, nous aussi. C'est un très, très bon conseil. Les gars, mais réveillez-vous. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que vous avez réussi à faire? À chaque fois qu'un formateur arrivait avec ses photos, je me dis, oh là là, mais on s'en fout. Salut les formateurs, c'est Flo. Dans cette vidéo, j'interviewe Mary Strull. Alors, qui est-elle? Eh bien, c'est une formatrice, coach, facilitatrice. Bref, elle a plein de rôles, elle touche à tout et surtout en innovation managériale. Elle va nous expliquer, bien entendu, qui elle est. Elle va nous montrer les techniques qu'elle utilise dans ses classes virtuelles, comment elle fait pour transformer aussi un petit peu de contenu présentiel au format digital. Elle va nous montrer les ouvrages qu'elle utilise dans sa facilitation. Et surtout, elle vous donnera son meilleur conseil pour animer une classe virtuelle. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette interview. Mary Strulu, je suis coach facilitatrice et formatrice. Mon cœur de métier, c'est l'innovation managériale, l'agilité, gestion de projet et qualité de vie au travail. Et depuis le confinement, donc il y a un an maintenant, j'ai basculé toute mon activité en distanciel. Et aujourd'hui, j'accompagne et je forme des managers, des coachs, des facilitateurs à l'animation à distance. Donc, à la fois les outils collaboratifs en ligne, en tout cas ceux que moi j'utilise et qui me semblent pertinents, et après chacun fait son petit marché. Et deuxièmement, c'est aussi sur la posture du formateur et en tant que facilitatrice ou de la posture de l'animateur. En tant que facilitatrice, ce qui est important pour moi, c'est aller sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas la facilitation à comment mettre des outils d'intelligence collective pour remettre du lien à distance, remettre de la connexion, de l'échange formel, informel, et qu'en fait, il y ait cet effet de oh, « waouh, c'est aussi bien qu'en présentiel ». Et aujourd'hui, moi, je suis devenue un peu accro au distanciel, qui fait que ben, j'ai pour souhait de continuer à développer mon activité en distanciel et en présentiel de le faire, voilà, en fonction des besoins très particuliers, et plus d'être orienté à distanciel parce qu'on peut vraiment faire de très, très chouettes animations. Et voilà, après, il y a plein de tout type d'outils, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. D'accord. Ok, super. Oui, parce que moi, je suis très, très curieuse déjà par ce terme facilitatrice, parce que je le vois un peu de partout, mais je me dis, bon, concrètement, ça veut dire quoi facilitatrice? Alors, facilitatrice, c'est utiliser des techniques de facilitation. Facilitation d'intelligence collective. Donc, dans la littérature de la facilitation, est-ce que j'ai un ouvrage dans les parages? Je vais t'en trouver un. Hop là. Celui-là, c'est la base. Il y en a deux. Pardon. Il y en a deux ouvrages qu'on va retrouver sur la littérature de la facilitation, c'est devenir facilitateur où on a vraiment les bases, le socle théorique, et le deuxième, la facilitation et des échanges organisationnels. Donc, parce que moi, à l'origine, je suis vraiment sur une logique d'entreprise, mais finalement, toutes les logiques collaboratives qu'on peut retrouver dans une entreprise, ben, on va utiliser les mêmes dynamiques pour les mettre au bénéfice des apprenants. En tout cas, c'est comme ça que je l'utilise aujourd'hui. Et donc, dans les techniques de facilitation, il y a trois phases bien distinctes quand je vais aller animer un groupe. C'est d'abord, je passe par trois étapes, la divergence. On fait une divergence d'idées, l'émergence. Alors, on va être en sous-groupe, on va recueillir toutes nos idées différentes. On va essayer de co-construire des choses en petits groupes. Et à la fin, donc ça, ces petits groupes, ces sous-groupes, on peut le faire sous plein de formes d'animation différentes. Et ensuite, troisième étape, c'est convergence. Donc, divergence, émergence, convergence. Et j'essaie de te trouver un schéma, hop là, qu'on va retrouver ici, où on le retrouve vraiment en trois phases. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner en distanciel? C'est d'abord, je vais lancer un questionnement, ça peut être un brainstorming, du type,
Pour vous, qu'est-ce que la posture d'un formateur? Et les personnes vont réfléchir individuellement, soit en se notant les choses sur un bout de papier, soit sur un mur virtuel. On sait comment on peut l'animer de différentes façons. On laisse 3 à 5 minutes, pas plus. Et ensuite, on passe à la deuxième phase où on va les mettre en sous-groupe pour favoriser le dialogue. Parce que surtout sur des sessions, quand moi, des fois, j'anime des sessions de 20, 25, 30 personnes, à distance, on va encore moins oser parler. Donc, c'est des petits groupes de 4, 5, 6 personnes grand max où ils vont échanger en fait sur ce qu'on appelle du partage de représentation. Et derrière, une fois qu'ils ont travaillé en sous-groupe 10, 15, 20 minutes selon la nature de l'exercice, on va les récupérer tous ensemble à la fin, en grande session. Et une personne par groupe va venir expliquer, ben voilà, nous, dans notre groupe, on s'est plutôt dit ça et ça. Et on voit les récurrences, les différences. Et pour moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas parce qu'on pourrait dire que c'est presque de la classe inversée derrière. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. C'est vraiment, je vais aller me balader de sous-groupe en sous-groupe, en caméra masquée. Je leur dis, en fait, je m'assure que tout se passe bien, que vous ayez bien compris les consignes. Et si besoin, je rallume la caméra et je parle avec vous pour vous apporter des éléments dont vous auriez besoin. Mais derrière, moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se dit dans ces sous-groupes. Parce que je vais prendre des notes sur mes petites fiches, pop, pop. Et quand on va débriefer en sous-groupe, en classe principale, je vais utiliser ces mots qui, moi, m'ont interpellée pour soit mettre du débat, soit mettre mon petit cours théorique, pour que ce ne soit pas un cours théorique descendant. En tout cas, sur cette partie d'exercice-là. D'accord. Alors là, tu nous donnes des informations très très riches. Ça me donne plein d'idées et bah, merci pour ce partage parce que je pense que là, il y a vraiment de quoi faire et tu as mis le doigt sur quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup, c'est d'éviter d'avoir cette transmission d'informations descendantes où je suis l'enseignant, je donne la connaissance. Ça existe vraiment pratiquement plus en fait. Si, peut-être dans les universités où là, tu as conscience d'étudiant, tu n'as pas le choix. Mais là, oui, de mettre l'apprenant au cœur de son apprentissage, je pense qu'il n'y a vraiment rien de mieux. On apprend le mieux pour apprendre. J'ai du mal, je trouve plus mes mots. Mais je trouve que le mieux pour apprendre, c'est de manipuler soi-même, c'est d'apprendre par soi-même parce que tu en retiens les meilleures leçons. Et puis, tu as fait. Donc, niveau de la mémoire, on est au top du top. Exactement. Et pour moi, c'est parce que on va manipuler des concepts que derrière, on sera plus à l'aise pour les digérer. Dans mon parcours en fait, de formation initiale, je suis sociologue, donc parcours universitaire, académique. J'ai adoré mes études, mais vraiment, j'ai kiffé. Par contre, un de mes rêves, c'est révolutionner l'enseignement universitaire, où on est sur quelque chose de ce que moi, je vis aujourd'hui de très descendant, presque plan-plan, hein. Et de mettre un peu de dynamisme, de mouvement pour que les gens se réapproprient les concepts. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, dans ma discipline de sociologie, on a une vraie difficulté à les vulgariser les concepts en dehors. Et en plus, je suis dans le monde des entreprises. Donc, quand je suis sortie un peu de là, dès que j'utilisais des concepts ou que je disais le mot organisationnel, ça pouvait faire très peur. Alors que si je prends l'habitude de manipuler ces grands mots qui peuvent faire peur, pour moi, on est sur de la vulgarisation. Je m'entraîne moi-même sur telle et telle nouvelle notion, mais je transmets à l'autre des choses qui sont aussi de son propre référentiel. Ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Et là, je te rejoins là-dessus sur la vulgarisation. Bah, tu vois, quand je tourne mes vidéos, il y a des moments où je vais utiliser un terme qui va parler que à des vraiment, purement formation. Et je me dis, non, mais moi, je n'ai pas envie d'utiliser ces mots-là. Il y a un moment, je parlais d'activité synchrone, asynchrone. Alors, ça peut être un mot basique, mais pour moi, c'est trop barbare. Je me dis, mais non, est-ce qu'on ne peut pas dire simplement en classe virtuelle, on échange en face à face et e-learning, j'apprends par moi-même des termes simples qui sont accessibles à tous.
C'est quand même mieux, ça fait moins peur. C'est mieux et plus soi-même on prend l'habitude d'utiliser différentes formes de langage, plus facilement en fait l'autre aussi apprenant va s'habituer à utiliser différentes formes de langage et on diffuse en fait la complexité qu'il peut avoir derrière les concepts. Oui. C'est bien joué. Et du coup, je pensais à une autre question. Comment est-ce que, en tant que formateur, comment tu sais quel outil tu vas utiliser? Alors, qu'est-ce que tu entends par outil déjà? Outil, eh ben, quelle technique tu peux utiliser à tel moment de formation où tu vas te dire, tiens, je vais utiliser telle technique parce que, eh ben, moi je dis pourquoi? Pourquoi tu utilises cet outil-là, cette technique-là? Ok. Alors, moi, j'aime bien démarrer une formation ou une journée de formation quand je donne sur un, deux, trois jours par un brainstorming. Donc, comme tout à l'heure, l'exemple de pour vous, qu'est-ce qu'un formateur à distance? Pour moi, ça, on va brainstormer dessus en mettant plein de post-it virtuels ou en présentiel pour de vrai. Donc là, on va aller toucher au partage de représentation. Et quelque part, pour moi, c'est hyper important. Toutes les idées se valent. C'est quelle est ma vision? Et derrière, c'est moi, premièrement, en tant que formatrice, je vois quels sont leurs niveaux de connaissances. Au-delà du questionnaire de positionnement qu'on peut avoir, mais pour moi, c'est très quantitatif, le questionnaire de positionnement. Que là, on est vraiment quelque part sur leur moi à eux, sur leur exemple concret. On est dans ce qu'ils sont réellement et dans ce qu'ils pensent réellement. Donc moi, ça me permet de prendre un peu de la température sur un sujet. Et de l'autre côté, c'est de les mettre à l'aise sur le fait que tout au long de la session, la parole est libre. Et deux, les idées, on les amène et il n'y a pas une idée qui est meilleure que l'autre. Alors que pourtant, je suis formatrice et je suis censée donner un enseignement et normalement un bon enseignement dans la bonne case. Mais en tout cas, moi, je suis autant en tant que coach qu'en tant que formateur, il y a cette posture du non-sachant. Oui, je peux vous donner des apports théoriques par rapport à tel et tel courant de pensée, mais si on regarde sous un autre angle, on verra les choses différemment. Et donc, là, j'amène aussi les personnes à inconsciemment. Les uns et les autres vont avoir des angles de vue différents. Et généralement, ce qui ressort, c'est que globalement, on a les mêmes idées. Et ça permet pour moi de valoriser le groupe pour démarrer la formation. Ok, donc on le saura. On commence par un brainstorming. Ça, c'est pas mal. Et je voulais t'emmener sur le sujet des objectifs. Parce que lors de notre dernier échange, tu m'avais dit, ben, moi, j'utilise tel outil parce que j'ai réfléchi à l'objectif. Où est-ce que je veux les emmener, toutes ces personnes-là? Alors, ouais, il y a d'une part l'objectif et l'intention. Donc, quel est l'objectif voilà, quels sont les concepts que j'ai envie qu'ils assimilent, qu'ils jouent. Et de l'autre, l'intention que j'y mets, est-ce que c'est apprendre le concept pour apprendre le concept ou c'est juste commencer à le découvrir? Donc, par exemple, est-ce que tu peux me donner les droits pour partager mon écran? Je ne sais pas si je peux. Alors, Ah, c'est bon, ouais. j'ai récupéré les droits. Donc, je vais te partager un board que je verrouille de suite. Ah, Voilà. super. J'adore. Tu as toujours des super boards. J'adore ce que tu fais. Merci. Donc là, c'est sur une formation qualité de vie au travail et j'aborde en deuxième journée l'évolution des organisations. Et l'évolution des organisations, on peut le faire de plein de façons différentes. Et moi, je suis une fan de Frédéric Laloux. Et entre autres, intellectuellement, il utilise un système de couleurs pour représenter différentes façons de manager et de penser les organisations. Donc, on a le rouge, management réactif, violent, l'opale, qui est le conformiste, la règle, le orange, qui est la méritocratie,
la réussite, le vert où on est sur du pluralisme, du partagé, et le dernier qui est l'entreprise opale, l'entreprise libérée, qui est le bleu. Donc en fait, je leur passe. Alors là, je fais une petite introduction en leur expliquant les différentes couleurs, et on va partir sur l'exercice. Il dure vraiment une heure, mais découpé en plusieurs temps. Donc en petits sous-groupes, ils vont me dire, ben voilà, quels sont les deux modèles qui pour eux, ils ont le plus de choses à redire. Ou derrière, je vais mettre un peu de ludique, quelles sont les choses que vous avez le plus à cracher. Vraiment, ça vous insupporte. Donc, ils vont les choisir. Et dans la séquence d'après, en fait, ils vont devoir, toujours pareil, une idée par post-it, dire tout ce qui ne va pas dans ce mode de management. Donc, généralement, celui qui revient, hein, c'est souvent le rouge, le réactif, le sanglant. Et donc, là, je fonctionne par couleur. Donc, j'ai une équipe violette, jaune et bleu, parce que là, on avait du monde. Et donc, du coup, ils me disent, voilà, c'est le régime par la terreur, c'est le harcèlement, on est condamné à se taire parce que c'est celui qui a toujours raison. Voilà, une notion de domination. Donc, ils vont tous faire les post-it. Donc, ça va prendre environ 20 minutes. Donc, 10 minutes par bulle, en fait, par type de management. Et 10 minutes, ça va très, très vite. Donc, on est en mode, en fait, on produit. On produit, qu'est-ce qu'il y a de pire? Et on se rend pas compte, en fait, là, on bascule dans une logique ludique et je prends du recul sur ma posture. Donc là, c'est des responsables RH. Ils viennent diaboliser une situation qu'ils ont déjà vécue, mais en fait, on ne prend pas de situation réelle. Donc, ils ont le droit de se lâcher. Donc, ils disent les pires choses dessus qu'ils puissent imaginer. Je les récupère, du coup, 20 minutes plus tard en classe principale. Je leur demande comment ça se passe. Ils ont besoin aussi de plus de temps ou pas, parce que des fois, ils ont besoin de 5 minutes pour terminer. Et du coup, là, ils ne s'y attendent pas. Mais pour chaque action que vous avez notée, vous allez devoir trouver une idée d'action, de solution derrière. Ah, super. Et là, ils se disent, oh mon Dieu, mais j'ai dessiné les pires managers, comment je vais faire? Et pour ramener, alors ça, je le sens en fonction des groupes de comment je le sens, je l'ai dit, ben voilà, les post-it jaunes, ça va être l'équipe bleue qui va les récupérer. Les post-it bleus, ça va être l'équipe violette, ça va être les jaunes. Donc, comme ça, je les fais tourner. Okay. C'est pas leur post-it à eux. Alors, l'inconvénient, c'est que des fois, ils savent pas trop ce qui a voulu être dit derrière. Donc, là, on vient travailler, je prends conscience que je dois préciser des choses pour que l'autre me comprenne. Ouais. Et deuxièmement, voilà, comment trouver des actions quand des fois, ça, c'est un petit peu fou. Sans avoir le feedback derrière. Donc voilà, je les laisse 20 minutes et 5 minutes, ils ont besoin de plus de temps pour débriefer. Et du coup, ils font ça pour les deux bulles qu'ils ont choisies, enfin les deux bulles où ils ont leur post-it. Donc, tu vois, des fois, on voit des petits cœurs apparaître. Là, c'est quand je les récupère en troisième phase, tous ensemble. Ils vont me débriefer, donc équipe jaune, équipe bleue, équipe violette. Alors, là, comme l'exercice est long, ils ne vont pas me lire tous les post-it parce que sinon, on va s'ennuyer, on ne va pas s'en sortir, ça fera trop. Il va y avoir une restitution, une personne par groupe qui va aller… alors, soit elle scénarise, qui va me raconter, mais voilà, on est dans telle entreprise, c'est pas ci, c'est pas ça. Soit, c'est ce que j'ai expérimenté la dernière fois, moi, je joue le président du CODIR, du comité de direction, on dit, ben voilà, c'est la merde dans notre boîte, vous pouvez nous faire un petit état des lieux et le plan d'action que vous voulez mettre derrière. Et là, ils se mettent dans leur posture de RH. Et du coup, pour le premier groupe, c'est moi qui joue ce rôle de CODIR. Et derrière, je passe la balle pour le groupe d'après. Dominique, tu veux jouer le rôle du CODIR, ben ok, et donc c'est elle qui joue le rôle et comme ça il tourne et c'est pas les mêmes stratégies de questions qui vont aller derrière. Et à la fin, en fait, c'est comme quand on fait un plan d'action, c'est sur quoi on a envie de s'engager.
Pour la suite des opérations, est-ce que c'est bien d'avoir fait une liste de questions par rapport aux problématiques, etc. Mais sur quoi on va aller s'engager? Et donc là, les post-it, c'est chaque personne dans le groupe vote une idée par post-it, enfin une idée, pardon, pour tout l'ensemble des post-it, et on voit l'idée principale qui ressort, ce qui veut dire que c'est sur ça qu'on s'engage pour la prochaine fois. En tout cas, si l'exercice était fait en réel. D'accord. Alors là, je trouve l'exercice vraiment excellent parce que ça, au départ, tu amènes vraiment de l'imagination, c'est-à-dire on se lâche, on n'est plus dans le travail, là on s'éclate, on dit ce qu'on veut. Et puis en fait, tu vas les ramener petit à petit dans leur réalité, dans ce qu'ils sont, dans leur posture, pour aller travailler sur des vrais plans d'action et des vraies actions qu'ils vont devoir mener. Exactement. Et derrière, c'est comment par juste un exercice d'échange, on peut aboutir à un plan d'action opérationnel et en technique de facilitation. Donc là, c'est moi qui ai imbriqué plusieurs choses. c'est comment je vais aller mettre du ludique pour aller désacraliser les choses. Et derrière, la technique de facilitation que j'utilise, c'est une technique qu'on appelle des liberating structures, qui est des min-spec. Alors, les liberating structures, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un open source. Hein, donc, quand on tape sur Internet liberating structures, on va tomber sur le site officiel où on retrouve toutes les techniques qui existent sur le sujet. Et donc, la min-spec, c'est vraiment, je vais aller faire la liste la plus longue de toutes les spécificités que je peux avoir sur un sujet ou sur un problème. Donc là, sur le site des Liberating Structures, on a toutes les techniques qui sont recensées. Et donc, Minspec, elle est là. Hop là. Je n'invente rien, hein. Tout est en ligne, oui. Tout est je gratuit. Vois. Et donc là, on retrouve la méthodologie en fait, de facilitation de comment je peux aller dérouler cette technique. En quoi elle est possible et comment je peux l'organiser dans le temps et combien de groupes, etc. Donc, pour moi, là, les liberating structures, c'est vraiment ma bible en termes de conception d'atelier, que ce soit autant pour de la formation que pour de l'intervention. Et le but, alors, liberating structures, c'est comment aller libérer le potentiel des personnes, des collectifs, des équipes, simplement par l'échange. Waouh, alors là, tu nous donnes une pépite. Alors là, je vais mettre le lien en dessous de la description et je pense qu'on va courir dessus. Les structures sont très, très utilisées dans le monde de l'agilité. Donc, moi, je viens de ce monde-là. L'agilité, c'est le monde de l'informatique. Et les notions de spécification, en fait, c'est du monde de l'informatique. C'est que pour mettre en place un logiciel, par exemple, on va avoir un détail de toutes les spécificités, de toutes les spécifications qu'il va falloir pour dérouler un produit, en fait. De D'accord. Façon très schématique, parce qu'après, c'est un peu plus poussé, bien sûr, mais voilà. On a parlé de pas mal de choses. On a parlé d'outils, on a parlé de méthodes. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur un groupe en particulier que tu as eu, qui a pu te marquer? Alors, oui, j'ai eu des... c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Pour moi, les profils difficiles en distanciel, c'est les formations longue durée et intensive. Donc, ça m'arrive de donner des formations à des publics qui sont en formation depuis 4 mois. Je les récupère à la fin de la formation. Donc, 7 heures par jour devant leur écran, ils sont épuisés. Ah oui, d'accord. Là, c'est vrai que pour faire ce type d'animation, c'est un peu plus difficile parce qu'ils sont fatigués tout simplement, mais ils sont partants. C'est juste que le retour que j'ai derrière, on aurait aimé vivre cette expérience avant. Pourquoi les autres formateurs ne font pas ça? Ils sont habitués à faire de l'information descendante.
Et Oui. donc, pas mal du ludique, en tout cas de ce que je perçois dans ce type de formation langue. Et le plus difficile pour moi, ça m'arrivait qu'une fois, j'arrivais en fin de parcours des 4 mois. C'était pour des personnes qui étaient financées par Pôle emploi qui bon, venaient à cette formation parce qu'il fallait bien un petit peu s'occuper. Donc, en termes de motivation, on n'y était pas forcément. Et qui disaient que depuis le début, ils n'avaient eu que des mauvais profs. Donc, déjà, voilà, vous êtes notre seul espoir. Donc, je suis partie avec ça. Je les ai eus 5 jours d'affilée. Et tous les jours, pour moi, c'était, je leur disais, là, je dépasse mes limites. J'ai essayé d'être créative pour trouver d'autres façons pour mais vous raccrocher, hein, tout simplement. Je sais que c'est fatigant pour vous, etc. Et là, j'ai pas réussi à tous les accrocher. Et même, y en a que deux. Où ils se sont dit, ah, c'était trop bien, les autres n'ont rien allé. Mais parce qu'en fait, j'étais sur un public défaitiste qui n'avait pas envie de travailler, D'accord, qui n'avait plus envie de travailler, et déjà de base, ils n'étaient pas très motivés par le type de formation. Et en plus, j'arrivais sur un truc chiant, et je leur ai dit d'entrée, hein, c'était de la qualité en informatique. Et la qualité en informatique, il faut vraiment en avoir envie pour aller travailler sur le sujet. Donc, j'ai eu beau faire quelque chose de ludique. Ben, ça a été difficile pour moi. Et du coup, en fait, ça a été ma toute première formation à distance. Donc, ça a été la pire que j'ai jamais D'accord. vécue. Les animations, trop en faire, ça va les épuiser, même si je suis déjà sur un public épuisé. Comment je gère les silences quand plus personne ne veut parler ou quand ils disent, ben, j'en ai marre, les deux, trois qui participaient, ben, j'en ai marre que ce soit tout le temps moi ou si les autres et qu'il n'y a personne qui prenne le relais. Voilà, c'est des grands, grands, grands moments de solitude. Et l'envie aussi de l'apprenant. Oui. Aujourd'hui, je sais que si j'aurais dû avoir ces mêmes personnes, ce même public, ce serait toujours difficile pour moi parce qu'ils n'ont pas envie. Eh oui. C'est pas qu'ils n'ont plus envie, c'est que de base, la motivation, elle n'y est pas. Oui. Et ça, du coup, c'est une très, très bonne question. Et malheureusement, ça arrive tellement souvent d'avoir dans tes formations des personnes qui viennent parce qu'il y a de la lumière, entre guillemets. Enfin, moi, en tout Voilà. cas, je l'ai pas mal vécu, ça, en centre d'appel, où il y a des personnes qui viennent parce que, donc, elles vont apprendre le métier de conseiller clientèle, mais elles viennent surtout parce que le portefeuille est vide, qu'ils étaient au chômage depuis un moment et que c'est la dernière petite chose qui fait qu'ils reviennent travailler de cette manière-là, quoi. Ouais, et je te rejoins parfaitement. Moi aussi, j'ai été manager sur du centre d'appel en informatique et on a un type de public qui est que ben, c'est un métier difficile, que les gens le font par défaut, pour soit c'est la première marche pour progresser, ou soit parce qu'il faut aller travailler. Et derrière, il y avait toute une question managériale de comment je vais aller motiver ces personnes-là qui en fait font un métier difficile, ingrat, et en plus, ils n'ont pas trop envie de travailler. Et bien en formation, c'est la même chose. Qui se passe, c'est vraiment quelle est ma première motivation? Est-ce que c'est ma motivation financière ou c'est parce que je vais y chercher des choses pour me développer moi-même et que je prends du plaisir? Oui, et je pensais, j'ai eu du coup j'ai une anecdote du coup à raconter. J'avais un groupe de formation. Enfin, en formation, c'était de la formation continue, donc toujours dans mon petit centre d'appel. Et j'avais un groupe, c'était le. Ben alors, le pire. Le pire, il est là, c'est-à-dire qu'on était trois formatrices animées, on tirait la courte paille pour animer avec ce groupe. On s'est dit, on ne veut pas les avoir parce qu'ils n'ont pas envie d'être là. Ils viennent parce qu'il faut être là. Ça leur permet de ne pas prendre d'appel. Et ils n'écoutent rien. Ou alors, dès qu'on va dire une phrase, c'est ouais, mais non, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est pas réel, le client ne se rend pas compte de vraiment ce qui se passe. Et c'est très, très dur d'animer comme ça. Et la petite solution que j'ai trouvée, c'est de trouver mon leader négatif. Il y a un moment, je l'ai un peu pointé du doigt. Alors, pas méchamment, hein, pas du tout, mais je voulais comprendre pourquoi ils étaient si négatifs. Et je lui ai dit, allez, maintenant, tu vas vider ton sac, tu vas nous dire, tu vas crache ton venin. En gros, c'était ça le message. Je l'ai dit avec beaucoup de diplomatie.
Il faut. Voilà, il faut, mais je l'ai dit avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de bienveillance. Je lui dis, allez, dis-nous ce que tu as sur le cœur. Et pendant un quart d'heure, je l'ai laissé parler. Et elle a parlé, 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 parlé. Et je te garantis, à la fin, c'est le ballon de baudruche qui s'est vidé. Elle s'est sentie soulagée et je ne l'ai plus eue contre moi en formation. Ouais, elle était avec toi parce que Ouais. du coup, elle s'est libérée de quelque chose et elle se sentait rejointe peut-être. Oui, c'est ça. Et surtout que j'avais compris qu'elle avait ce besoin de participer et d'être utile dans la formation. Et donc, dès qu'il y avait un débat à lancer ou un avis à recueillir, bah, j'allais la chercher. Allez, qu'est-ce que tu penses de ça? Et elle était ravie d'être écoutée, en fait. Je pense qu'elle manquait vraiment de ça dans toute la boîte. Il fallait qu'elle se sente écoutée. Et moi, je te rejoins parfaitement par rapport à ça, ces leaders. Parfois, en début de formation, on les identifie assez rapidement. C'est des personnes qui ont déjà fait X formations sur la même thématique que la tienne, qui peut-être en savent plus que toi. Bien sûr. Et du coup, en fait, je me dis, ces personnes, plutôt qu'elles me disent, oui, mais ça, vous avez oublié de le dire, je vais plutôt les utiliser. Les mobiliser plutôt pour avoir leur retour d'expérience. Alors, le retour d'expérience, je vais le faire sous différentes formes. Quand je vais passer sur la partie information descendante, parce que ben voilà, après les exercices, je bascule sur 10-15 minutes de descendant. Au mieux, j'aime bien dire, mais par exemple, Mathilde, toi, par rapport à ce que tu as pu vivre en entreprise ou ce que tu sais, qu'est-ce qui résonne, hein? Qu'est-ce qui te parle, est-ce que tu aurais des choses particulières à ajouter sur le sujet? Et en fait, en le mettant au milieu, moi, ça me permet vraiment, hein, ces personnes-là, ils ou elles, font une petite partie du cours qui est déjà dans le cours, mais derrière, ça me permet, elle, de la valoriser. Elle fait plaisir aussi à dire des choses. D'une autre façon que moi, ça c'est aussi important. Donc hop là, tu joues un peu le rôle de celui qui va donner du poisson, quoi, quelque part. Et derrière, petit à petit, elle sent que je la mets à un autre niveau. Je la mets pas sur un niveau de je te dis comment tu dois faire, sachant que c'est la 10e formation sur le sujet que tu fais. Et ça m'arrive aussi quand j'en ai plusieurs. Là, la dernière fois, j'en avais cinq. J'avais déjà fait des formations sur la qualité de vie au travail, ou qui avaient des choses dans leur entreprise vraiment abouties. Bon, on s'est pris un petit quart d'heure, 20 minutes en début d'après-midi, avant de faire l'icebreaker, hein, Oui. l'energizer, pardon, de faire leur petit retour d'expérience. Et voilà, qu'est-ce que vous aviez fait? C'est quoi les points forts, les choses qui auraient pu être évitées, etc. Et comme ça permet de donner de la forme pour les autres. Et moi, derrière, ça me permet toujours d'avoir encore de l'information que je note et de pouvoir rebondir aussi par rapport soit aux exercices, soit au cours qui va Oui. être transmis après. Ça, c'est une très bonne technique, je trouve. Et tu l'as dit pas mal, c'est d'aller recueillir des informations pour les réutiliser par la suite. Et là, ce qui fait que ça va parler beaucoup plus à des apprenants, plutôt que de donner une information brutale, quoi. C'est ça. Et vraiment, après moi, c'est mon complexe en tant que sociologue. Quand j'étais salariée en entreprise, dès que j'utilisais un mot complexe, j'étais très mal à l'aise parce que j'avais l'impression que j'utilisais des mots compliqués qui ne faisaient pas partie du vocabulaire. Du coup, mon complexe en tant que formatrice, parce que, ben oui, on a quand même des complexes, nous aussi, les informations, mais pas trop non plus, en fait. C'est-à-dire que, ben, au début, je vais les amener eux-mêmes à trouver le type de vocabulaire sur lequel ils sont à l'aise, pour moi, rebondir dessus. Mais après, quand je suis sur la partie information descendante, je vais réutiliser leur vocabulaire à eux, pour aller vraiment sur du dur. Et là, je ne me prends plus la question, la tête, en me disant est-ce qu'ils comprennent ou est-ce qu'ils comprennent pas? Parce que pour moi, je pars du principe que comme ça a été vulgarisé, on peut monter de niveau,
Oser dire des grands mots. Oui. Et après, on va les retravailler ainsi de suite. Mais c'est là où, quelque part, moi, je peux me lâcher et dire, ben voilà, qu'est-ce qu'un construit social? En sociologie, on utilise beaucoup ça. Qu'est-ce qu'un construit social? C'est un partage de, à un moment donné, on est influencé par une culture, une valeur, etc., etc. Et c'est en amont, voilà, on va dédramatiser ça pour que je puisse l'amener et que ce soit un peu plus léger. Ça, c'est vraiment bien vu. Je trouve que c'est un très, très bon conseil que tu peux donner. Et d'ailleurs, bah, ce sera ma dernière question. Quel conseil tu peux donner à un formateur qui va faire une classe virtuelle? Quel conseil tu peux lui donner? Quel conseil je pourrais lui donner? Alors, pour moi, la clé sur du distanciel, ça va être les sous-groupes. Quoi que soit le contenu et quoi que soit l'apport théorique qui sera derrière, c'est vraiment jouer avec l'état en sous-groupe pour remettre du dynamisme et que les gens participent, ils participent. Quoi qu'il en soit, ils participent dans leur petit groupe à eux. Et alterner en fait les temps où ils sont en sous-groupe, temps où on est tous ensemble. Et c'est ça qui va donner un rythme. Pour moi, la clé à distance, elle est là. Ok, bon, alors notez, hein, la clé, c'est les sous-groupes. Les sous-groupes. Les Et ça sous-groupes, c'est marche. la base. Et ça marche aussi Oui. en présentiel. Bien sûr. Oui, mais c'est, y a toujours beaucoup de retours très positifs quand on fait du travail en sous-groupe. Et même des jeux, moi, je m'amusais à faire des battles où on va diviser la salle. Bon, quand ils sont petits groupes, c'est encore mieux. Et ils vont se poser des questions mutuellement sur tout ce qu'on a pu voir. Et on va attribuer des points. Et la première des choses, c'est qu'ils doivent trouver un nom d'équipe. Et rien qu'avec ça, chercher son nom d'équipe, tu sens tout de suite la scission qu'il y a entre les deux groupes et de se dire, non, mais nous, on s'appelle les winners, mais nous, on est trop forts, ils sont trop nuls de l'autre côté. On va poser des questions super compliquées. Et ils sont très, très durs envers eux-mêmes pour gagner quelques points bah, qui ne vont servir à rien de toute façon, parce que c'est juste un jeu. Mais derrière, ils vont aller creuser dans leurs notes, enfin, ils vont aller réfléchir sur vraiment tout ce qu'ils ont pu voir, ils vont se prêter au jeu. C'est toujours mieux que de dire, bon, hier, on a vu ça, 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 ça. Ben non, là, on va vraiment aller creuser et puis il y a des choses très, très belles qui en ressortent, je trouve. Et je vais te partager, je vais revenir sur, hop là. Moi aussi, j'aime bien utiliser cette notion de groupe. Alors, ça doit être sur cette séquence-là. Alors, je ne l'ai pas fait sur cet exercice, je l'ai fait en novembre dernier. Donc là, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais voilà, je vais avoir 3-4 équipes. Et je réutilise un jeu de cartes qu'on utilise en présentiel que j'ai scanné, que j'ai mis, qui est les super pouvoirs, qui est édité par Agile Garden, qu'on peut acheter en ligne très facilement. Et donc, du coup, j'aurais dit, mais quel est votre super pouvoir? Et là, je réutilise les cartes qui peuvent, avec l'Axoun, on peut dupliquer la carte en faisant plus, qui vont aller mettre dans leur équipe. Et OK. donc, dans leur équipe, donc chacun va avoir sa petite carte. Ils vont devoir expliquer ben, pourquoi ils ont choisi ce super pouvoir. Donc là, on est plus, moi, je l'utilise en Energizer, celui-ci. Et une fois qu'ils ont tous présenté leur petite carte, là, je les récupère. Et je leur dis, ben, maintenant, je vous invite à trouver le nom de votre équipe qui pourrait synthétiser tous vos petits super pouvoirs. Et c'est pas grand-chose, hein, mais ça remet une sorte d'énergie et sans qu'il y ait forcément une logique de compétition derrière. Donc je vais avoir des équipes, enfin, voilà, ils se font plaisir. Je les amène à mettre des petites photos pour aller illustrer derrière leur nom d'équipe. Et en fait, après, on va aller commencer sur la prochaine activité. Et moi, je réutilise le nom de l'équipe. Alors, telle équipe, machin, c'est quoi, blablabla. Et du coup, je garde les mêmes équipes pour toute l'après-midi. Et ça redonne, je dirais, c'est que de la forme, hein, mais ça l'ancre. Oui. Mais j'allais dire, est-ce que ça peut développer le sentiment d'appartenance?
pour ne serait-ce qu'une après-midi. Ouais, exactement. Moi, là, ça, je l'utilise pour du public managérial, pour qu'ils aillent toucher cette notion d'appartenance et dire, ben, vous aussi, hein, vous pouvez très bien faire ce petit exercice. Donc voilà, pardon, autant pour moi. Ils n'ont pas mis d'image, ils ont mis juste un petit texte avec le nom de leur équipe. Et vraiment, c'est derrière, j'accentue sur je valorise les personnes qui sont avec moi. Je me valorise parce qu'on a tous des super pouvoirs avec le côté ludique. Et comme ça ancre aussi un groupe qu'on peut même avoir sur 2, 3 jours derrière. Oui, et là, tu as dit un mot que j'affectionne tout particulièrement, c'est le mot valorisation. Oui. Et là, je trouve que ça nous manque beaucoup. Enfin, on en a besoin en France d'être valorisé. Je trouve, enfin, j'ai vu tellement d'apprenants qui doutaient, qui n'avaient pas confiance en eux, qui, ouais, je viens, je ne sais pas, est-ce que j'ai réussi à faire ça? Et ouais, je me dis, non, mais. Mais non, mais c'était vachement bien. Mais les gars, mais réveillez-vous. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que vous avez réussi à faire? Je pense que pour n'importe quel formateur, c'est quelque chose à ancrer. Valorisez vos apprenants. Montrez-leur qu'ils ont des super réussites. Et je trouve qu'il n'y a pas de petite réussite. Quand tu as réussi à faire quelque chose, mais ils voient toi comme le maître du monde. Mais tu te rends compte? Oui! Bon, il y a plein de moments où je le fais dans ma vie, ça. Des toutes petites réussites. On me voit comme ça, des moments dans la baraque. Et tu dis, ouais, j'ai fait la vaisselle. Wouh! Donc voilà, vraiment en distanciel, on peut, pour moi, on peut réadapter des exercices qu'on avait en présentiel. Ça Oui. prend de la forme, on ne peut pas réutiliser tout de la même façon, mais on peut quand même garder de la philosophie. Les cartes, aujourd'hui, je les utilise de différentes façons. Oui, et ça me fait aussi penser à un jeu qui est très utilisé aussi, c'est Dixit, Oui. qui là pour le coup c'est Juliette qui m'avait transmis le lien où on peut retrouver toutes les cartes et du coup les utiliser en distanciel. Ouais. Et voilà, ça donne une petite cartographie. Et alors, soit moi j'utilise ce type de cartographie. Alors, j'adore les cartes. Hein. Je suis fan de cartes. Du coup, hop là, dans ma boîte à outils à la maison, j'ai des cartes diverses et variées qui font qu'en fonction du groupe que je vais avoir, je sais que je peux utiliser telle et telle thématique de cartes. Et du coup, je vais aller faire du photo-langage plutôt un icebreaker celui-ci pour moi mieux les connaître parce que des fois ils se connaissent déjà, mais Oui. aussi se connaître différemment. Et même en présentiel, hein, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que vous retenez de la journée? Ah, oh, des cartes. Ah ben c'est marrant ça. Ça c'est une très très bonne chose. Mais tu vois le photolangage, moi ce que j'ai pu dire il y a quelques temps, c'est que j'étais pas fan du tout parce que je l'ai vécu moi très très mal en tant qu'apprenante. À chaque fois qu'un formateur arrivait avec ses photos, je me dis, oh là, mais on s'en fout. Comprendre vraiment le sens qu'on peut apporter juste avec un photolangage. Parce qu'en fait, tu peux faire plein plein d'activités juste avec des cartes. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, comment tu le vivais toi avant et comment tu le vis maintenant. Et oui, parce que bah, c'était. Alors, bon, maintenant, il faut que je retrouve, ça fait quelques années là que j'avais eu ces activités-là où on était avec d'autres formateurs, d'autres managers, et où on nous transmettait vraiment des feuilles de papier, on pose une question, et puis on choisit quelle image nous convient le mieux. Mais ouais, ça ne me parlait jamais, tu vois, ça ne me parlait pas du tout, j'aimais pas du tout cette activité. Je ne comprenais pas où on allait, je ne comprenais pas pourquoi on faisait ça. Okay. Et que maintenant, du coup, comment ça se passe? Et ben maintenant, là encore une fois, c'est avec Juliette, tu vois, qui a réussi à me faire apprécier le photolangage. Maintenant, j'en comprends vraiment le sens parce que je ne sais plus quelle question elle a posée, mais elle nous a montré des images de Dixit. Et là, on a vraiment. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'elle a fait et qui m'a fait renouer avec cette activité-là, c'est qu'elle a donné du sens.
Elle nous expliquait pourquoi est-ce qu'on allait utiliser cette activité-là, quel était l'objectif, le but de pourquoi on se pose cette question-là. Et en fait, c'est tout simplement d'avoir un autre langage. Plutôt que d'utiliser des mots, eh ben voilà, je choisis cette photo-là parce qu'elle me parle, parce qu'il y a ça à l'intérieur. Et puis, ça engage le débat aussi. Ça peut engager le débat sans pour autant que ce soit quelque chose de long sur telle et telle carte. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Voilà, je choisis cette carte. Pourquoi je choisis cette carte? Parce que, admettons, mes attentes de la journée, j'aimerais mieux apprendre et regarder un peu plus loin. Et ça peut s'arrêter là. Et on n'a pas besoin d'en savoir plus et d'aller gratter. Oui. Et c'est juste, voilà, c'est se présenter sous un autre jour et faire la météo sous une autre forme. Ouais. Bah du coup, oui, je trouve que c'est une très très bonne technique. Voilà, j'ai changé d'avis. Tout dépend de la façon dont on l'amène Oui. et être OK aussi avec des personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé qui me disent là, ça ne me parle pas aujourd'hui. Bon, ben ok. Bon, ben, c'est quoi tes attentes derrière pour aujourd'hui? Et Oui, voilà. pour pouvoir rebondir aussi, ouais, sur ceux qui veulent pas, on va pas forcer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir échanger avec toi et d'avoir autant de bonnes pratiques, même des ouvrages que tu as pu nous présenter. Bah, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'on peut te joindre si je suis manager et j'ai besoin de toi? Comment est-ce que je fais pour te contacter? Alors, soit sur les réseaux sociaux, moi, Mary Strulu, où je poste régulièrement des informations, des posts réguliers. Et soit sinon, j'ai mon site osonsunepause.fr que je mets dans le chat, unepause.fr, où là, en fait, je mets les différentes formes d'accompagnement, que ce soit de la formation, du coaching ou de l'intervention en entreprise. Et voilà. Donc, au plaisir de pouvoir rencontrer encore et encore de nouvelles personnes. Bien sûr, donc je remettrai le lien dans la description, comme ça on pourra les personnes que ça intéresse pourront aller voir ton site. Et c'est vrai que, alors je confirme, elle est très présente sur les réseaux sociaux. Et moi, elle arrive toujours, Mary, à me donner plein de bonne humeur parce qu'elle fait des jeux avec Klaxoon que je trouve super. Et à chaque fois, tu arrives à attiser notre curiosité. On a envie de venir à tes ateliers, même si on n'est pas manager, on a envie de se dire, moi aussi, je veux faire des choses, moi aussi, je veux écrire des post-it. Donc, vraiment, bravo, bravo à toi. Merci du fond du cœur, Florence. Et merci de ta confiance. Et moi aussi, j'aime beaucoup, beaucoup toutes tes vidéos YouTube. Qui, Ah, avant mais... qu'on se connaisse, je les suivais déjà. Ah, bah super, bah, J'étais ça me fait très plaisir. fan. Bah, ça me fait très plaisir. C'est vrai que j'essaye de toujours répondre aussi à des questions qu'on peut me poser. Donc, n'hésitez surtout pas, là, aujourd'hui, si vous avez des questions, eh bien, marquez dans les commentaires s'il y a un sujet en particulier que vous voulez que je traite, eh bien, avec plaisir. Je reprends toutes les remarques constructives. Je vous écoute. Je peux rajouter du texte, des images, ça, j'ai bien compris. Je m'améliore tous les jours et c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation, merci pour tous ces bons conseils. Et cette semaine, je tiens à remercier, je prends ma petite fiche, je tiens à remercier Jackie, CM, Meriem et Adi. Merci pour vos commentaires, vos likes et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.